Hey, salut tout le monde, François Lemay ici pour une petite vite en pleine conscience. Et aujourd'hui, je vais faire différent de d'habitude, je vais vous parler de la mort. Je suis présentement en direct du cimetière du Père Lachaise, et oui, encore une fois à Paris. Et vous savez, je parle souvent de rêves, de sortir de votre zone de confort, de vous réaliser pleinement. Mais aujourd'hui, cette vidéo-là va porter sur, à tous les âges, mais particulièrement sur les papas, les mamans qui ont des enfants, qui sont un peu dans l'angoisse, dans l'anxiété, de laisser quelque chose à leurs enfants ou de ne pas laisser assez de sous d'une certaine façon. Mais je pense que c'est important de penser à vous d'abord et avant tout, parce que vous savez quoi? On va tout finir comme ça. Dans des pierres tombales, plus grosses, plus petites les uns les autres, peu importe, c'est même pas important, mais on va toutes mourir un jour. Et oui, donc, vos enfants, ils n'ont pas besoin d'argent. Vos enfants, ils ont besoin de présence, ils ont besoin de voir que vous vous réalisez pleinement. Donc, passez pas ce moment présent-là à angoisser, à stresser par rapport à ce que vous n'allez pas laisser à vos enfants, à stresser par rapport à votre futur. Profitez de l'instant présent le plus possible, que ce soit même des personnes plus âgées, mais même nous, les jeunes, même les moins jeunes. C'est la même affaire, parce que la réalité, la vie, elle a une date d'expiration, mais on ne sait pas c'est quoi la date d'expiration. Ça peut être demain pour moi, ça peut être dans 50 ans pour moi, peu importe. L'important, c'est de profiter ici du moment présent. Il y a un petit message pour mes proches. Si jamais ma petite famille à moi décide que quand je vais mourir, ils veulent faire une petite statue comme ça avec moi, bien, s'il vous plaît, prenez soin de m'ajouter des cheveux. Rentrez pas mon menton, sortez mon menton. Et si vous décidez de faire mon corps, mettez pas ma bédaine, dessinez-moi des abdos juste en mémoire de ce que j'aurais aimé être à quelque part. Mais encore plus, tout à l'heure, je voyais un arbre comme ça, ici, juste à côté de moi. Et ce que je veux au plus profond, c'est de dire, bon, mais OK, on va faire, j'ai pas besoin d'une grosse pierre tombale, j'ai besoin d'avoir des cendres qu'on va mettre au pied d'un arbre comme ça, qu'on va planter un grain, et qu'un jour, quelqu'un va pouvoir venir ici comme ça, faire un gros câlin à François. Plus tard, à quelque part. Mais pour l'instant, je suis pleinement vivant. C'est avec vous que je partage mes réflexions. Profitez de la vie, c'est ici que ça se passe et on va tout finir comme ça. Mort, ça c'est sûr et certain. Alors je vous aime, je vous adore. Profitez de la vie. Elle est belle. Bye bye.